Dans moins de 2 jours, le Puy du Fou ouvrira ses portes pour une nouvelle saison. Et cette année, le parc propose un nouveau site, le monde imaginaire de La Fontaine. Il vient d'ailleurs d'être présenté. Vous le découvrez sur ces images de Claire Lemoine. Il sera divisé en 3 parties, le jardin extraordinaire, le labyrinthe des animaux et le repère des enfants. On pourra découvrir les fables dans l'ordre qu'on veut au fil de la journée, chaque fable durant 1 minute 30 à 2 minutes. Et puis après le jardin extraordinaire, eh bien, on arrive dans le labyrinthe des animaux, les animaux de la fontaine. Et ce labyrinthe des animaux permet de s'amuser avec les enfants, les petits, les grands, mais aussi les grands-parents, avec les animaux qui réservent quelques surprises si l'on se trompe de chemin dans le labyrinthe. Puis enfin le repère des enfants qui permet là de s'amuser dans un castelet et de se défouler et de dépenser son énergie lorsqu'on est un enfant ou un grand enfant puisque c'est conçu pour que toute la famille puisse y passer du temps ensemble.